Voilà, on est maintenant dans la place principale de Belluno, Piazza dei Martiri, place des martyrs. Dans les siècles passés, appelée aussi place Campidelle, Piazza Campidelle, un petit champ hors de mur. Et au XVIIe siècle, elle était appelée place du pape, pour rappeler justement le pape Grégoire XVI, Gregorio XVI, né à Belluno. Vous pouvez voir dans cette place-ci le palais de sa famille. C'était la famille Capellari della Colomba, une famille noble à Belluno. Et c'est un palais juste face à vous, face à la fontaine, à la grande fontaine de la place. Aujourd'hui, Piazza dei Martiri, place des martyrs, rappelle les partisans pendus ici, sur les lampadaires. Des jeunes qui avaient participé à la résistance pendant l'occupation nazie. Belluno a reçu en effet la médaille d'or, justement pour cette raison, pour la résistance. Dans cette place, le 19 juillet 1943, Hitler et Mussolini étaient justement ici. Ils venaient de signer un traité à Villa Gaggia, une villa près de Belluno, connu comme le Trattato di Feltre. La même année, le 8 septembre 1943, Belluno appartenait déjà au Troisième Reich. Cette place contient également un bon nombre de palais de style de la Renaissance à admirer. On peut balader dans cette belle place. Elle faisait partie d'un monastère des frères capucins, fermé par Napoléon en 1806, ensuite acheté par la comtesse Elisabetta Agosti en 1856. Le monastère fut transformé dans un orphelinat grâce au prêtre Don Antonio Sperti. À l'extérieur, deux fresques de 1664, Saint-Roch et Saint-Sébastien à droite, et Sainte-Cosma et Saint-Damien à gauche. Elle se présente à l'intérieur avec un œuf à voûte en berceau. À l'intérieur, un intéressant maître-autel, l'Assunzione, de Padre Santo de Venise, et un tabernacle en bois de Valentino Pancera Besarel, un disciple de Andrea Brustolone, connu comme le Michel-Ange du bois. À gauche de l'autel, un tableau de Luigi Cima qui représente Saint Jean Bosco, San Giovanni Bosco. C'est l'image des frères capucins. On continue vers l'église de Saint-Étienne, la chiesa di Santo Stefano, un bijou gothique montagnard de Belluno. On y va! Est l'une des plus belles églises de Belluno, voulue par les frères Serviti, l'ordre des Servites de Marie. Il y avait un monastère ici. Elle représente l'histoire de Belluno, un ensemble de périodes historiques. Elle est du 1468, même si à l'apparence elle pourrait sembler romane, grâce à la rosace que vous voyez là-haut. De l'autre côté, vous verrez le toit avec les tuiles noires pour rappeler la conquête de l'Empire autrichien et l'horloge qui sonne les 24 heures des Autrichiens aussi. Vous verrez aussi le petit jardin, signe de la conquête de Napoléon qui avait fermé les églises et les monastères. Il y en avait 200 environ en province, et transformé en cimetière. Vous verrez aussi un rocher romain, mémorial de Centuriation en pierre de Castellavazza, un petit village où on extrait une pierre blanche très dure. Il y a aussi une colonne en pierre avec le lion de Saint-Marc. La façade à double pente possède un portail en pierre avec le blason de la ville de Belluno. Les heurtoirs sont en bronze de Dante Moro de Falcade, fondu pour rappeler 500 ans de l'église.
Vous voulez entrer dans l'église? On entre. On y va. Très intéressant à voir est le piédestal des âmes purgatives. Il est en bois entaillé, il soutient les crucifix de Brustolone. Les deux anges en bois sont d'Andrea Brustolone aussi. Ils semblent en marbre, mais ils sont des sculptures importantes. Ils sont des douilles de lampe à côté de l'autel. L'autel en bois est d'Andrea di Foro. À gauche et à droite, deux chapelles intéressantes. À droite, la cappelle accesa en bois doré de Simon da Cusige, 1400, avec des fresques de Jacopo da Montagnana. À gauche, la Cappella del Rosario de la confrérie du Chapelet, construite après la bataille de Lepanto de 1571. Vous pouvez voir le tableau du Chapelet avec les mystères du peintre Francesco Frigimelica, il Vecchio. À gauche, la sacristie qui conserve la statue de Notre-Dame des Douleurs, très chère à Belluno. Voilà le portail en pierre de la façade au sud de l'église avec des portes en bois entaillées, récupérées de l'église de Santa Maria de Battuti, fermée par Napoléon. Le jardin, avec l'arrivée de Napoléon, il était un cimetière. La fontaine en pierre de Castellavazzo, Belluno, possède beaucoup de fontaines. Et voilà le mémorial des centuriations romaines qui nous rappelle l'Empire romain et sa conquête. Voilà encore les tuiles noires qui nous rappellent la conquête autrichienne avec son clocher. Le lion de Saint-Marc est la représentation de l'évangéliste Saint-Marc. Il est le symbole de la ville de Venise et anciennement de la République de Venise. Le lion tient un livre ouvert avec la devise Pax tibi Marce, Evangelista meus. Pace a te, o Marco, mio evangelista. Qui riposerà il tuo corpo. Les ornements du drapeau de Venise représentent trois éléments: la mer Adriatique, les plaines et les montagnes. Cela signifie que Venise aimait souligner sa puissance partout. Le livre ouvert est signe de paix. On en a beaucoup à Belluno, la ville de l'arrière-pays vénitien. Et voilà encore un petit tour à l'intérieur de cette merveilleuse église gothique. Ici, deux tableaux importants, la récolte de la manne de Francesco Frigimelli dal Vecchio et Abraham et Melchisedec de Cesare Vecellio, cousin de Tiziano. Voilà les crucifix de Andrea Brustolone. L'année dans les ruelles de Belluno pour rejoindre l'église de Saint-Étienne. Une promenade très agréable.
On est ici à l'intérieur de Porta d'Oyona, la porte d'entrée de la ville de Belluno. Face à vous, donc, cette porte-ci, l'entrée à la ville médiévale. D'Oyona dérive des donjons, la tour principale de la ville. On a des noms de famille qui s'appellent justement d'Oyona. Ils étaient les capitaines militaires de la ville. La porte est de la période de la Renaissance, de ce côté, de la période du Moyen-Âge, de l'autre côté, vers le sud. Avec une porte à double battant en bois original. Sous la porte, vous pouvez voir beaucoup de blasons en pierre des capitaines et des recteurs qui ont gouverné à Belluno. On est ici dans la place de Vittorio Emanuele, qui rappelle le choix de Belluno des Italiennes en 1866. C'était le choix d'accepter le gouvernement de Savoie après de nombreux siècles d'exploitation et de conquêtes. Avant cette période, la placette s'appelait Piazza della Legna, place du bois, à cause de la vente du bois de chauffage lors de Belluno. Le coin du Café d'Hirsute est encore appelé par les habitants le canton de la Pellagra, le coin de la Pellagre, pour rappeler les 20 000 jeunes de Belluno que les Autrichiens de l'Empire avaient invités à travailler pour construire le chemin de fer dans l'Empire. Après le choix de Savoie et le plébiscite de 1866, les Autrichiens avaient renvoyé à Belluno ces jeunes-ci, épuisés et malades de pellagre. Voilà une vue, un panorama sur la place de Martyrs. Pendant les soirées, on peut flâner le long de l'Iston, qui c'est la promenade de Belluno. La place Vittorio Emanuele, vers l'église de Saint-Étienne. Le théâtre social, maintenant appelé le théâtre de la mairie. Voilà encore une fois le canton de la Pellagre et les édifices de Belluno, le musée, le nouveau musée Fulcis. Voilà l'architecture particulière de Belluno, les statues donc de l'école du Canova. Porta d'Oyona du côté de la Renaissance, avec le lion qui a été buriné, pioché par les Français. Et voilà l'entrée de la vieille ville. On continue.